Michel Granger, tout comme Boyce, a cherché une idée originale sous les drapeaux et lui aussi, il l'a trouvée grâce à l'armée. Décidément, un jour ou l'autre, il faudra cesser de critiquer cette institution-là. Pour peindre, Granger a remplacé les pinceaux par des chars d'assaut. Ce n'est pas commode à manœuvrer, ces pinceaux-là. Il ne faut pas mettre ses doigts en dessous, ça pèse 40 tonnes. Ça n'a pas été simple non plus de convaincre les autorités qu'on barbouille de jolies couleurs les chenilles d'un AMX pour faire de la peinture. Mais enfin, Michel Granger y est arrivé et il en a fait une série de toiles bientôt exposées à...